Mesdames et messieurs, il nous a posé un lapin la semaine dernière. Vous avez été nombreux à l'avoir réclamé. Maintenant, il est là. Je vais vous offrir un gâteau ce matin. Chromosome. Chromosome. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? La semaine dernière, j'attendais que vous me fassiez signe. Ça n'a pas été fait. Ah. Comme je vous l'ai dit, je suis un homme quand même très occupé. Ah ouais. Donc, ça se voit là. Hein. J'ai dû m'occuper d'autres choses. Ah ouais. D'abord, votre style vestimentaire, il s'occupe très bien de son style. Non, je ne sais pas. Vous avez eu le temps de remarquer. Non, j'ai vu. Ouais. Comment on appelle ça? C'est du djangon et puis... Du taillé sur mesure. Du taillé, du sur mesure. Du sur mesure avec des galons. Tu prends un gramme. Et puis tu me rends plus dedans. Donc, gare à toi. Gare à toi, régime oblige. Alors, merci, hein, Chromosome, d'être là ce matin. Avant... Vous parliez de Toubani et moi, mon James... expérience personnelle à Parakou, mais ça m'a aidé à faire des économies. Ah ouais. Quand tu prends une teboule le matin, oui, ça fait trois jours après. Donc, c'est plus bien que celle que j'avais après. Ah, tu vois. Donc, vous connaissez l'astuce. J'avais tellement de coups à faire que j'ai juste pris du tout. Ah oui, mais quand tu prends ça, c'est fini, quoi. Vous cherchez un bidon d'eau et puis... Ouais, tu bois, toute la journée. Tu bois d'eau et puis tout simplement. C'est très bon. C'est l'occasion de dire bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent depuis Parakou. Mm-hmm. Bonjour. Nasuba. Nasuba. Très bien. Puisque Chromosome est déjà là avant... d'entrer de plein pied dans son humour. Ce qu'il nous propose aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce qu'il a proposé et nous allons revenir sur ce plateau. Oui. Il nous dira dans quelles conditions et pourquoi il a fait. Oui, regardons. Daisy. Elle est quoi pour toi? Toi, tu es comme ça, tu as une copine. Imbécile, va s'en aller du bas. Nous, les boss, on est là, dans notre atelier à la cour disjonctée, et toi, tu as une copine. Regarde, tu peux gérer ce dossier-là. Ça, c'est 4G. Excusez-moi, tu vas voir, bon, tranquille. Normalement, je tue les gens pour ça. Tu vois, moi, quand tu me prends pour un imbécile, je te tue. Tu vois, juste pour moi. Parce qu'on me prend pour un imbécile, je tue. Tu vois? Sans sentiment, sans état d'âme. Je tue seulement. Mais il y a été laissé. Tu as chance, hein? Tu as chance. Hé, madame. Toi? Merci. Viens ici. Ah, bon. Mais je l'aime. Je l'aime. Je m'amuse pas avec les autres. Bébé. Tu vois, ça, ce dossier, c'est ça. Nous, on va manger ça ce soir. C'est bien. Il n'y a pas moyen de... De quoi? De il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. Dégage. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am here and I'm still flexing. I am just an icon living. Short a record label miss. Toi, tu fais quoi ici? Mais vous avez déjà fait connaissance quoi? Oui. Je t'ai dit d'arranger la maison. Donc, bon, comme vous avez déjà fait connaissance, c'est pas grave. C'est mon nouveau gardien, quoi. Ah, oui. Voilà. Donc, voilà. Au revoir, patron. Donc, toi, voilà, là, tu veux plus que ma copine, quoi. Non, c'est... C'est quoi? Au village, c'est comme non, ça, on accueille les mec, gens. Non, toi, tu vas passer un sac travers aujourd'hui. Hein? Non, super. Viens. Mais on me met pas ça, putain, on passe. Oh, putain. On y va. Eh, bébé. Toi, là, reviens, y'a pas à faire de bébé. Donc si c'est pas que ton cousin était venu, il a dit que c'était son gardien. Tu allais le laisser partir avec pas moi. Ça. J'avais la situation en main. Amène ça, amène le téléphone. C'est fini entre nous, tu m'oublies. Il vaut rien. You can break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on. Ah oui. Ce qui me plaît bien avec les vidéos de Chromosome, il faut attendre la fin pour voir ce qui se passe l'intrigue. Réellement. Oui, c'est vrai. Absolument. C'était comme la dernière fois avec le vieux et sa copine. Vous rappelez. Oui. Très bien. Mais... J'espère qu'il ne va plus jamais oser ça. Jamais. Non, ça c'est plus possible. Parce que tous les petits ne sont pas des enfants. C'est ça. mais là vous l'avez tourné où? Au Niger. Au Niger. J'y étais et dans le cadre d'une formation où je devais donner de la formation sur les techniques de l'humour et tout. Donc après,
l'atelier, on a décidé de faire de petits gags. Ouais. Dans et la ville de Niamey. Et c'est ça qui a donné ça. Et c'est ça qui a donné ça. C'est ça. Un peu comme pour dire, je suis toujours dans l'apparence. Parce que c'est super important de comprendre que nous sommes tous les mêmes. Qu'on peut être famille d'une façon ou d'une autre. Ouais. C'est ça. On peut être connaissant d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut faire très attention avec un étranger, quelqu'un que tu ne connais pas, parce que des fois, il est plus proche que tu ne et le penses. Et même quelqu'un qu'on connaît, vous ne savez pas s'il est vraiment proche de vous. Voilà. Oh, ouais. Un jour, vous vous rendez compte que c'est une proche. Mais là, j'ai bien envie que c'est Dieu qui a réparé une injustice que vous voulez créer. Oui, mais de toutes les façons, c'est vrai que moi, j'ai perdu la femme dedans, mais lui aussi. Oui. Et je voulais dire, le propre de l'humain, c'est de ne pas souffrir seul. Quand on souffre en groupe, c'est mieux. Non, mais c'est vous le mauvais. Mais le gars. Moi, je me disais, mais à cette allure-là, est-ce que les jeunes du quartier pourront avoir de petites go? Non, mais ça m'est déjà arrivé à la plage une fois, aux alentours de 18 heures. Attends, c'est toi qui as fait ça ou bien on te l'a chippé? On me l'a chippé. À la plage, mais bon. Mais il voulait un peu d'argent. Quelqu'un qui a un délinquant, là, vraiment. Uh-huh. Il vient, on était sur un cocotier à la plage la nuit, là, il paye. En amoureux. En amoureux, tranquille. Quoi, de bons universitaires et tout ça. T'as dit pas, ouais, on voit. Puis t'as mis ma verse. Et pendant ce temps, c'est sûr que le chromosome tremblait déjà. Moi, bon, je faisais le garçon. Quand il y a femme là, il faut faire on ne me trempe pas vite. J'ai dit, c'est quoi les adresses? On voit. Puis t'as mis ma verse. Vermitant, ouais. Ma odie n'a très. Maman. Mais on va cadre des mines, bon, attends, c'est bien quoi. C'est quoi cadre? Dans nos deux tickets, l'argent. Dans nos deux tickets, mais tout de suite. Maman, fait au bas. J'ai donné les deux tickets. J'ai donné les 2000. Sinon, il dit, c'est les 2000 où la femme fait au bas quoi. Sinon, la femme, c'est fini pour la femme. Et quel était l'état de la femme? Ah, non, mais elle était glacée. Enfin, toi, tu vois le gars, tu sais qu'il n'est plus là. Oui. Tu peux faire tout après et dire, ah bon, c'est moi qui l'ai fait, tu comprends un peu. Il n'est plus là. Et il parlait comme ça, il dit, bah, on est dans le deux tickets. Chromosome n'avait-il pas fait pipi dedans? Non, je faisais le garçon. Eh oui, le garçon. Bon, je me suis dit. Et si entre-temps, tu n'avais pas les deux tickets là? Les deux tickets. Qu'est-ce qui allait se passer? Bon, je plains la fille, mais elle va me retrouver à la maison. Quoi? Je vais courir la laisser. Tu es mon frère. Non, dans ce cas d'espèce, c'est souvent le sauve qui peut. C'est ça. Ah non, non. C'est pas le sauve qui peut. Dans ces conditions, c'est pas le sauve qui peut. J'ai pas manqué. Je suis contre vous ça. Vous voyez à quel extrême on est allé. C'est-à-dire, j'ai essayé de tout gérer déjà. Et au final, je vois que c'est ma vie contre la sienne. Mm-hmm. Il faut choisir. Ah. Merci beaucoup. Dis donc, c'est intéressant. Oui, ouais. Mais vous savez, dans le gag là, il dit comment le petit là peut arriver à gérer ce dossier 4G. Oui, c'est 4G, tu vois, c'est rapide 4G. Comment c'est 4G? Comment vous identifiez les 4G, les 5G ou bien les 3G? Vous voyez les filles. Coca-Cola, là, les mains louées comme ça. Là. Oui, louées comme ça, là, comme quelqu'un dans ce studio. Là. Ça, là, c'est quelqu'un. Ça, c'est retention. À la fin, vous aurez pour votre compte. C'est qui, quelqu'un? Le courant qui est dedans, c'est un courant vivifiant. Je ne voudrais pas commettre l'erreur de demander celle qui est à côté ça, de moi, non, quel G. Je peux classer ça. Hein. On le dira à la fin. Pour ne pas recevoir une raclée. Elle dit, on va dire le G à la fin. Il ne faut pas changer de problème. Merci, Chromosome. Merci. On va se retrouver tout à l'heure à la fin de l'émission pour encore très bien rire. Oui, exactement. Voilà.